Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde. Vous savez que mon monde, c'est le monde des savons spirituels. Si vous voulez un savon de déblocage, un savon de chance, un savon pour l'amour, un savon pour les mêmes personnes, ou bien un savon pour les enfants qui ne marchent pas, ou bien un savon de déblocage, venez me voir en privé. Je vais vous faire un savon. Si c'est disponible, je vous envoie par la poste. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce. Comme j'ai l'habitude de dire que ça, c'est l'année qui commence à finir. Faites des purifications, si vous connaissez des purifications, c'est maintenant, protégez-vous le maximum possible que vous pouvez. Parce que c'est là où tout se passe, la fin de l'année comme ça. Là, ici, là, maintenant, je vais vous donner une petite, ce n'est même pas une petite purification. Je dis même souvent que chaque astuce spirituelle, ça dépend de vous. Parce que c'est la vraie magie, c'est ce qui sort dans la bouche. Par exemple, ici, là, vous avez besoin du sel, juste un peu du sel. Vous avez besoin d'un verre d'eau. Vous avez besoin du sucre. Vous avez besoin de l'huile d'olive. Donc, comment vous allez faire ça? Prenez un seau que vous avez l'habitude de faire vos purifications. Mettez vraiment suffisamment d'eau. Parce que là, si vous avez 15 ans, il faudra prendre 15 morceaux de sucre. Si vous avez 20 ans, prenez 20 morceaux de sucre. Si vous avez, par exemple, 50 ans, il vous faut 50 morceaux de sucre, 40 ans, 40 morceaux de sucre, 60 ans, 60 morceaux de sucre, ainsi de suite, et 80 ans, soit 80 morceaux de sucre que vous aurez besoin. Donc, ça veut dire que vous aurez vraiment besoin de suffisamment d'eau. Et donc, quand vous allez mettre dans votre seau d'eau, vous allez prendre de l'huile d'olive que vous allez ajouter là-dedans. Et là, vous allez encore mettre, bon, je pense que je vous ai déjà parlé du sel, vous allez mettre un peu du sel, pas beaucoup, juste un peu du sel là-dedans. Vous allez bien mélanger tout ça là. Ça, c'est une purification à faire uniquement le matin. Donc, ça veut dire qu'après avoir fait cette purification là, vous n'allez pouvoir vous laver toute la journée, seulement le lendemain. Donc, c'est une purification, si vous voulez, c'est une purification d'ouverture, parce que c'est fait en une seule fois. Donc, vous pouvez répéter ça le jour que vous voulez. Donc, c'est une purification. Comment je peux dire ça? Pour se faire aimer, si vous voulez vous faire aimer, ça, c'est une bonne purification d'ouverture. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas être bloqué, vous ne devez pas être maudit, vous ne devez pas être vraiment attaché quelque part pour faire ce genre d'astuces. Parce que ne faites pas ça et ça ne marche pas. Et vous allez venir dire que c'est cette fille-là, mais les astuces qui ne marchent pas. Le sel, c'est déjà très bon. Ah, le sel, c'est déjà très bon. Le sucre, c'est déjà très bon. L'huile d'olive aussi, là, a vraiment ses vertus, vraiment très, très bien. Donc, après, donc c'est une astuce, je vais dire, oui, c'est une astuce de rinçage, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'après avoir pris votre bain normalement, avec le savon, votre savon que vous faites, vous vous lavez d'habitude avec très bien, quand vous allez rincer le corps avec de l'eau normale. Maintenant, vous prenez alors cette eau-là que vous allez faire votre vœu, sept vœux, par rapport à l'eau sucrée. Je dis bien sept vœux qui parlent de l'eau sucrée. Donc, commencez par l'eau sucrée, que cette eau sucrée-ci, ajoutez ce que vous voulez, que cette eau sucrée-ci, que cette eau sucrée-ci, comme ça, là, sept fois. Dès que vous allez finir, prenez aussi un verre d'eau comme ça, là. Mettez un peu de l'huile d'olive et dans l'huile d'olive là, vous allez aussi l'eau huileuse, disons comme ça, l'eau huileuse là, faites aussi parce que ça c'est un peu quelqu'un qui connaît, qui sait faire vraiment des vœux. Vous pouvez, pourquoi pas, vous pouvez aussi mettre votre main comme ça là, par exemple, et faire vos vœux, sept vœux ici là. Donc avec cette eau là, sept, je dis bien sept vœux. Donc sept vœux pour votre eau de rinçage et sept vœux pour l'eau que vous allez boire. Ça, ce n'est pas grand-chose. Je sais qu'il y a aussi une astuce qu'on fait seulement comme ça, là, l'eau salée, chaque fois qu'on se réveille le matin, on boit ça et on rince son visage avec. Ça, cette astuce est très, très puissante. Vraiment, moi-même, je fais ça. C'est une astuce très simple, mais moi, je ne dis rien, hein, quand je fais ça. Je ne fais jamais, je ne fais pas de vœux sur ça. Mais c'est très très bien. Donc voilà, dans le cas que vous voulez ajouter encore une puissance, que vous voulez ajouter une puissance, si vous avez besoin d'un savon de déblocage, j'ai des savons ici là. Ça c'est vraiment pour l'amour. Si vous n'êtes pas bloqué, si vous voulez encore ajouter quelque chose de puissant, encore comme j'ai dit,
Voilà le savon, ça c'est le savon d'amour fait à base de l'orange. Vraiment, ça sent très très bon. Voilà un peu l'astuce. Et vous savez que je suis membre de l'IEBLEMAL. Si vous avez besoin de quelque chose comme des conseils, que vous êtes même membre aussi et que vous ne comprenez rien, parce que c'est maintenant que ça se passe. Plus tard, ça ne sera plus possible. Parce que on va arriver à un moment que pour entrer dans l'IEBLEMAL, la personne doit te payer l'argent, ça c'est clair. Parce que les pièces ne sont pas beaucoup. Les pièces que nous disposons dans les plateformes, ce n'est pas beaucoup. Les gens pensent que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Avec les nouveaux packs, je pense que c'est la vidéo que je ferai la semaine lundi prochain. Avec les nouveaux packs qui vont venir là, vraiment, c'est là où on va commencer à comprendre que les pièces que nous avons ne sont vraiment, c'est des pièces qui sont vraiment, disons, limitées, disons comme ça, parce que ce n'est pas beaucoup. Dès que c'est fini. Il n'y a plus, on ne peut plus ajouter les pièces. Ça, c'est la crypto-monnaie qui est comme ça, là. Donc, voilà, non, n'oubliez pas. Donc, récapitulatif de ce que je viens de dire. Vous avez besoin d'un verre d'eau comme ça. Vous avez besoin du sel, vous avez besoin du sucre, vous avez besoin de l'huile d'olive. Donc, vous allez mélanger du sel, juste un peu du sel, de l'huile d'olive, du sucre. Le sucre doit, vous devez compter le nombre d'années que vous avez déjà passé sur Terre. Pour mélanger avec un bon seau d'eau. Vous mélangez ça. Ça se passe le matin. Ça, c'est une astuce qui se passe. Ça, c'est une purification. Quand on se lave seulement le matin, c'est une fois. Donc, j'appelle ça la purification d'ouverture. Ce n'est pas un déblocage, non. Les deux, si, ne débloquent pas. Ça ne débloque pas, non. Je dis encore que les deux, si, pour moi, je dis que pour ma part, les deux, si, ne peuvent pas vous débloquer. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas bloqué, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché sur un arbre, c'est quelqu'un qui est vraiment bien, ou bien c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des purifications régulièrement, régulièrement. Donc voilà, non, n'oubliez pas, mes savons sont disponibles. Si vous achetez un savon, vous avez droit à un t-shirt. Et j'ai seulement, bon, je pense, parce que j'ai ramené que 10 t-shirts, dont 10 personnes vont bénéficier de ces t-shirts-là. Donc la couleur, il y a la couleur verte, il y a la couleur blanche, il y a la couleur bleue. Qui est les t-shirts là sont avec le logo, mon logo et mon nom derrière. Si vous êtes fan des gens, alors achetez un savon et vous aurez droit à un t-shirt. Donc voilà, mes amis, n'oubliez pas aussi, si vous avez des questions par rapport à l'IEBLEMAL, venez me poser en privé. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.